Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que ce soir encore, il a plu à toi de nous rassembler dans ta maison. Certainement, tu as quelque chose pour nous. Et comme il est écrit, il a été dit par le prophète, lorsque Dieu travaille, le diable aussi est là pour agir. Mais nous savons que la victoire est de notre côté, parce que toi, tu l'as déjà vaincu. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, afin que tu nous envoies ta divine parole. Que ton glorieux Esprit Saint puisse prendre le contrôle de toute la réunion, afin qu'ainsi ton nom soit glorifié et que ton peuple soit dans la joie. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont dans les maisons. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont souffrants, malades. Nous prions pour tous ceux qui se sont empêtrés dans divers problèmes et qui ne peuvent pas ce soir nourrir leur âme. Puisses-tu te souvenir de chacun d'eux, Seigneur, pour leur accorder une portion, quand bien même ils seraient endormis. Père Céleste est notre Dieu. Laisse que ta présence soit effective ici ce soir. Que le Saint-Esprit habite chacun de nous et qu'il nous communique la vie au travers de ta parole. Nous nous abandonnons à toi, croyant que tu nous as déjà exaucés, car nous avons demandé ceci dans le nom bien-aimé de celui qui est tout-puissant, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous demande de me pardonner. Je vous ai déjà vraiment mis en retard. J'ai eu des petits problèmes tout à l'heure avec ma tablette. J'ai oublié de la recharger. Je pensais qu'elle était chargée. Et je venais de me rendre compte tout à l'heure qu'elle ne l'est pas. Il me reste juste quelques petites minutes. Donc nous allons commencer. J'ai envoyé Saron à la maison pour m'apporter mon ordinateur. Je crois qu'ils vont vite revenir avant que la tablette ne s'éteigne. Priez pour cela. Amen. Amen. Vous savez que nous avons commencé un enseignement dimanche. Non, pas dimanche. C'était jeudi, n'est-ce pas? C'était dimanche? Dimanche. Oui, c'était dimanche. Et le thème général de notre enseignement, c'est les 7 paraboles de Jésus sur l'Église des 7 âges. Et dimanche, nous avons vu une première partie qui n'était autre que l'introduction que nous avions intitulée justement les 7 paraboles de Jésus. Nous n'allons pas revenir dans les choses que nous avons dites à l'introduction, parce que cela rongerait notre temps qui est même déjà assez entamé. Mais nous allons ce soir enchaîner dans la deuxième partie avec ce que nous intitulerons la saison de l'ensemencement ou l'âge de l'Église
d'Éphèse. La saison de l'ensemencement ou l'âge de l'église d'Éphèse. Nous lirons dans deux livres, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 13, c'est vraiment le texte de notre leçon, de notre enseignement. Et nous lirons dans Matthieu 13 tout au long de cet enseignement, qui nous prendra, je pense, si le Seigneur le veut ainsi, 2 semaines. Matthieu chapitre 13, nous lirons d'abord du verset 1er au verset du verset 1er au verset 9. Ensuite, nous lirons du verset 18 au verset 23. Puis nous lirons Apocalypse chapitre 2 du verset 1 au verset 7. Matthieu 13, 1 à 9 et 18 à 23. Puis Apocalypse 2 du verset 1er au verset 7. Dieu bénisse le pasteur Till. Tu t'es vraiment bien caché, sauf que tu n'as pas eu un bon rideau pour te cacher complètement. Dieu te bénisse. Ah, tiens, tiens, tiens. Il y a aussi le frère parfait. Hé, le jeune marié là, lève-toi. Comment? Ah, frère parfait, Dieu te bénisse. Vous savez que Frère Parfait vient de se marier coutumièrement. Le reste va suivre. Et nous avons déjà commencé à repasser nos cravates. Hein? Bientôt, je crois que... Hey, ne fais pas que je parle trop vite. Oh. C'est bientôt, non? Voilà. C'est bientôt. Dieu bénisse Frère Parfait. Nous prierons pour toi, que le Seigneur te fortifie, t'encourage et qu'il pourvoie aussi aux besoins. Amen. Voilà, donc nous allons lire à tour de rôle. Je ne veux pas aller vite au début, parce que je ne veux pas que dès que j'ouvre mon ordinateur, il s'éteigne avant que... Je vais dire ma tablette avant que l'ordinateur arrive. Je crois que tout va bien aller. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez donc vous lever, nous allons commencer par la lecture. Matthieu 13, 1 à 9. Prions encore. Père céleste bien-aimé, nous prions que tu ouvres pour nous l'entendement, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Laisse que de ces textes, nous puissions saisir le contexte. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 18. Vous donc, vous savez, nous avons lu le verset 17 l'autre jour. Si vous voulez, nous allons le relire, verset 17. Non, lisons le verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Apocalypse 2. Apocalypse 2 à partir du verset 1er. Jusqu'au verset 7, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Les textes que nous venons de lire nous sont habituels. Et nous connaissons très bien ces histoires. Le Seigneur Jésus s'est exprimé, nous l'avons dit dimanche, s'est exprimé à l'adresse de la foule qui était devant lui en parabole. Il disait tout. Il leur disait tout en parabole. Et il ne leur disait rien si ce n'était en parabole. Dans ce chapitre 13 de Matthieu, Jésus a donné 7 paraboles prophétiques concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ tout au long des 7 âges. Et c'est ce que nous nous proposons d'étudier pendant ces quelques réunions que nous tiendrons ici au tabernacle. Pour ceux qui nous écoutent hors du pays, nous sommes au tabernacle de l'Aigle, situé Donc, nous sommes au tabernacle de l'Aigle, situé au quartier Akwa à Douala, Cameroun. Lieu dit Nouvelle Route Bessengue. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, pendant 2 semaines ou plus, comme le Seigneur voudra bien en disposer, nous parlerons sur les 7 prophéties de Jésus sur l'Église des âges. Les 7 églises des 7 âges, bien sûr. Ce soir, notre thème, nous l'avons déjà annoncé, c'est la saison de l'ensemencement ou l'âge de l'Église d'Éphèse. Je voudrais d'abord souligner ici que nous ne sommes pas en train d'étudier les âges de l'Église. Vous allez voir que nous n'allons même pas entrer profondément dans les âges de l'Église. Mais nous voulons parler des prophéties de Jésus données sous forme de paraboles et concernant ces 7 âges de l'Église. Nous avons lu ces textes et nous voulons en parler pendant quelques instants. Nous savons tous que le nombre 7 est un nombre d'achèvement. C'est aussi la complétude, la
qualité ou la caractéristique de ce qui est complet. Et c'est aussi la perfection. C'est ce que nous a dit notre prophète. Les sept paraboles de Jésus qui représentent les sept âges de l'Église parlent aussi des sept premiers âges de la création. Là non plus, nous n'allons pas trop nous y attarder, parce que ce n'est pas en fait les âges qui nous intéressent, mais ce que Jésus a voulu dire ou a dit concernant chaque âge. Les sept âges de l'Église sont consignés dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Il y a l'âge d'Éphèse, le premier, et suivent l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée. Comme aussi, nous avons Adam le premier et suivent Seth, après Seth, je crois que c'est Hershon. Après, il y a Jéred. Après, il y a Mahalaleel. Non, il y a Mahalaleel d'abord. Après, il y a Jéred et il y a Enoch. Ils sont aussi sept. D'Adam à Enoch, ils sont sept. Si nous étudions les âges de l'Église, nous aurions parlé d'eux. Parce qu'ils sont les premiers hommes sur la terre qui ont marqué les sept premières générations. Dans ce texte de Matthieu 13, donc, nous voyons qu'il y a quatre sortes de terres. Et dans ces quatre sortes de terres est tombée la semence. Ce ne sont pas les semences qui y sont tombées, mais c'est la semence qui y est tombée. C'est pour dire qu'il n'y avait qu'une seule semence qui a été semée, mais elle a été semée sur ces quatre sortes de terre. La première, c'était une terre où passent les hommes et les animaux. C'était donc certainement une terre dure où la semence ne pouvait pas s'enterrer pour pouvoir se reproduire. La deuxième terre, c'était une terre pierreuse. Il y avait de la terre, mais c'était juste une petite couche de terre. Il n'y avait pas beaucoup de sol. Elle a germé aussitôt, très vite, mais n'ayant pas de racines, le soleil l'a tuée, elle a séché et le soleil l'a brûlée. La troisième, c'était une terre avec beaucoup, c'était une terre qui était profonde. La semence y est tombée, mais quand la semence s'est levée, il y a aussi les ronces et les épines qui se sont levées. Alors, le tout croissant ensemble, la semence a été étouffée par les épines et par les ronces. Une quatrième terre était ce que la Bible a appelé la bonne terre. C'était une terre profonde, c'était une terre riche.
Elle avait tout ce qu'il fallait pour le bien-être de la semence. L'âge d'Éphèse est pour nous ce qu'est le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. Le livre de la Genèse, nous a dit le prophète, c'est le chapitre semence. Parce que dans le livre de la Genèse, vous retrouverez toutes les semences que vous rencontrerez jamais. Les semences de l'idolâtrie, les semences de la fornication, les semences de la polygamie, les semences du meurtre, les semences, toutes les semences, tous les ismes se retrouvent dans le livre de la Genèse. Parce que c'est le livre du commencement. De même aussi, toutes les semences, tous les esprits que nous allons rencontrer tout au long de notre étude, et même ce dont nous ne parlerons pas, qui ont sillonné l'Église de Dieu tout au long des âges, ces semences se retrouvent déjà ici dans l'âge d'Éphèse. Et essentiellement, dans cet âge d'Éphèse, nous pouvons déjà voir les germes, les semences du nicolaïsme, du balamisme et du jézabélisme. Les trois grands acteurs de destruction de l'Église, lesquels peuvent être comparés aux phases, aux différentes phases de la sauterelle. Pour qu'il y ait une sauterelle, il faut qu'il y ait d'abord le Gélec. Ensuite, il y a le Gélec, il y a le Hazil et il y a le Gazam. Cet insecte, qui est le même insecte, doit traverser ces différentes phases afin de devenir une véritable sauterelle. Et c'est ainsi aussi que la semence de l'Antichrist va traverser dans l'Église ces différentes phases afin de se manifester elle-même. Il y a donc le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. C'est les trois qui font l'esprit Antichrist qui s'appelle la mort. Tous ces ismes sont donc entrés progressivement dans l'Église. C'est pourquoi, en étudiant cette première parabole ce soir, nous verrons essentiellement l'esprit du nicolaïsme qui est entré dans l'Église, alors que, au début, le semeur n'a semé que la bonne semence. Vous êtes avec moi? Frère Branham nous dira dans le message « Une robe d'occasion » prêché le 25 novembre 1956 au paragraphe 22. La Genèse, c'était l'ensemencement. Et ces 6000 ans ont été le temps de maturation de la moisson. Et maintenant, la semence est devenue elle-même une semence. Elle était devenue une fleur. Et de la fleur, elle est devenue le fruit. C'est maintenant le temps de la récolte, le temps de la moisson. Et toutes les grandes choses qui ont eu
un commencement. La vraie Église qui avait commencé dans la Genèse en est arrivée au temps du fruit, le fruit de l'Esprit. Et l'Antichrist avait commencé dans la Genèse, et l'Antichrist qui avait commencé dans la Genèse en est arrivé à son fruit. Donc les deux semences ont germé, ont cru et maintenant sont arrivées à l'âge du fruit. Tant la bonne semence que la semence de l'Antichrist. Et nous sommes bien au temps de la fin de toute la dispensation de ce monde, de l'être mortel. Frère Branham dira dans le 7e, dans le sceau de Dieu, prêché le 16 février 1961, au paragraphe 21, il dit, « Eh bien, nous voyons qu'il était le premier meurtrier, et il était le premier à être jaloux. Et Lucifer était devenu jaloux de Michaël. Il a carrément amené cela jusque sur la terre et a transmis cela à l'homme. Et Satan, et Caïn, en revêtant ce mal, fut le premier à recevoir la marque. C'est Dieu qui l'a marqué. Personne ne devait le tuer. On l'a laissé tranquille. Mais rappelez-vous, dès que Dieu l'a marqué, il est sorti de la présence de Dieu. Amen. Il y avait donc au départ, dans la Genèse, deux semences. Il y avait donc au commencement de l'Église, à l'âge d'Éphèse, deux semences. Nous avons vu, lorsque nous en avons parlé, nous avons vu ces deux semences qui marchent de front, qui marchent parallèlement. Quand Dieu avance, Satan aussi avance. Nous avons appelé cela la loi des jumeaux. La loi du pour et du contre. La loi de la vie et de la mort. La loi du bien et du mal. Les deux marchent toujours de pair. Si vous voyez le mal quelque part, sachez qu'il y a le bien. Parce qu'il ne peut pas avoir du mal, le mal s'il n'y a pas d'abord le bien. Parce que c'est le bien qui a commencé. Amen. Frère Branham nous a dit qu'il y a dans toute la Bible deux livres que Satan hait copieusement. Il hait tout ce qui est parole. Mais ces deux livres-là, il les hait jusqu'au dernier degré. C'est le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Il hait la Genèse parce que la Genèse révèle son commencement. Et il veut essayer de convaincre les gens que ce qui est écrit dans la Genèse, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Vous entendez les gens dehors dire, « Oh non, Satan était le fils aîné de Dieu. » C'est ça le démon, c'est ça que le démon leur dit là-bas. Et c'est ce qu'ils croient. Satan n'a jamais été fils de Dieu. Satan n'est qu'un serviteur qui a été pris de mégalomanie et qui a voulu prendre la place de Dieu. Alors, Dieu l'a chassé du ciel. Dieu a un seul fils unique engendré, c'est le Logos. Et c'est du Logos que sont sortis tous les fils, toutes les filles de Dieu. Et ensuite, ils ont été manifestés sur la terre sous la forme d'êtres humains. Dans l'âge de l'Église d'Éphèse, au paragraphe 242, William Branham nous dira, remarquez, la Bible parle de l'arbre de vie trois fois dans la Genèse et trois fois dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu cela l'autre jour. Vous en souvenez-vous, hier, dimanche, le diable déteste chaque portion de l'Écriture qui existe, mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Il attaque la Genèse sur son authenticité, car il veut que les gens croient qu'il n'en était pas ainsi.
Dans la Genèse, les choses ne se... C'est ce qu'il dit aux gens. Dans la Genèse, les choses ne se sont pas passées comme Dieu l'a dit. Il y avait quelque chose d'autre qui était à l'origine de la création et de toutes ces choses. Par exemple, la théorie de l'évolution. Hein, Dieu a créé, c'est pas moi, le poisson. Le poisson est de... Non, Dieu a créé la grenouille. La grenouille est devenue le poisson. Le poisson est devenu le lapin. Le lapin est devenu le singe, etc. Non, Satan vous trompe. Il ment. C'est donc ainsi qu'il l'attaque. Et il éloigne les gens de l'Apocalypse parce qu'elle révèle que Jésus est Dieu, que lui, il est le démon et qu'il est condamné. Elle révèle la gloire de l'Église sanctifiée qui rentre auprès de Dieu et la condamnation du faux prophète et le fait que tous ceux qui mentent et agissent n'importe comment seront jetés dans l'étang de feu. Il n'est pas étonnant qu'il les tienne éloignés. Mais rappelez-vous bien que ces deux livres parlent de l'arbre de vie dans le paradis. Amen. Nous reviendrons sur l'arbre de vie. Vous pouvez noter exposé des sept âges de l'Église. Dans la machine, c'est page 14 et verset 4. Je vais sauter quelques citations pour gagner un peu de temps. Donc, il y a quatre sortes de terres et chaque terre représente la foi. Vous êtes avec moi? Chaque terre représente la foi. Et Frère Branham nous a dit qu'il y a trois sortes de croyants dans chaque rassemblement de chrétiens ou de croyants. Il y a l'incrédule qui ne croit rien. Il y a le soi-disant croyant qui est le simili-croyant qui fait semblant de croire. Il dit qu'il croit, mais en réalité, il ne croit pas comme il faut. Ça veut dire qu'il croit quand même, mais pas comme il faut. Il croit jusqu'à un certain niveau, mais quand ça commence à le toucher, il ne croit plus. Tant que cela parle de X et de Y, tant que cela parle des choses générales, ok, c'est la parole de Dieu, il croit. Mais quand ça commence à toucher sa propre vie, non. Ce n'est plus la parole de Dieu, il ne la croit plus. Et il y a aussi les véritables croyants. C'est ce que Frère Branham nous dit dans le message « Le procès ». Prêché le 21 juin 1964, je vais lire le paragraphe 88. Et Dieu dit que sa parole est une semence. Qu'un semeur a semé et elle doit tomber dans une bonne sorte de terre. Cette terre, c'est la foi. Amen. La première terre, donc, le long du chemin, c'est l'incrédule. Il ne croit rien. Vous êtes avec moi? C'est la première sorte de terre. Mais celui qui ne croit rien, c'est un croyant. Sauf qu'il ne croit pas la parole de Dieu. Le semeur, pendant qu'il semait, il ne semait pas comme on sème l'arachide et le maïs chez nous. Sa semence est tellement petite, comme la semence du keling-keling. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre langue. L'herbe qui est très gluante là. Pour la semer, elle est tellement petite. On prend une poignée, on lance seulement au vent. Le vent s'occupe de faire tomber ça où il veut. Et c'est là-bas qu'il pousse. Maintenant, s'il tombe là où
Si elle tombe là où elle ne peut pas pénétrer au sol, elle va rester en surface. Les hommes, les animaux vont la piétiner. Et les oiseaux du ciel vont la picorer. Jésus dit, ce sont des gens qui n'ont pas de foi. La parole est tombée dans leur cœur. Ils étaient à la réunion ce soir-là ou ce matin-là. Ils ont entendu ce que le prédicateur a dit, mais il n'y avait rien en eux pour croire. Et alors très vite, les oiseaux du ciel, les mauvais esprits, viennent picorer la semence. Là, il n'écoute même pas ce qu'il dit, il dit même quoi là. Il bavarde depuis là, il ne s'arrête même pas, il fait quoi? Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi, comment quelqu'un peut rester assis dans une église, on bavarde des heures, il est là. Non, je ne vais même plus dans l'église. Lui, c'est le croyant. Frère Branham dit qu'il ne vous fera jamais de mal. Dites amen à ça. Amen. On aurait plutôt cru que c'est l'incroyant qui vous fera le plus de mal. Non, c'est celui qui dit qu'il croit, mais qui ne croit pas vraiment. C'est le soi-disant croyant. Il va vous contrecarrer. Il va vous combattre sous toutes les formes. Parce qu'il ne veut pas que vous disiez ce qui ne l'arrange pas. Amen. Il y a donc la mauvaise sorte de terre à deux niveaux. Toute la parole se tient. Amen. Amen. Vous savez que Satan, c'est un religieux, ce n'est pas un incrédule. Satan croit. Les non-croyants, c'est une autre catégorie. C'est les pharaonistes. Parce que Pharaon ne croyait pas. Ce sont les pharaonistes. Mais Satan est un croyant. Satan va à l'église. Satan adore Dieu et il donne les sacrifices. Tout le monde le sait. Alors Satan a pris deux parts. Et Dieu n'en a pris qu'une seule. Nous avons déjà laissé les non-croyants. Nous prenons les croyants qui disent qu'ils croient. Vous savez que lorsque la guerre s'est déclenchée au ciel, Satan avait pris les deux tiers des anges. Quand la guerre est descendue sur la terre, Satan a pris les deux tiers des anges déchus. C'est-à-dire les hommes qui sont habités par ces mauvais esprits-là. Dieu n'a qu'un tiers. C'est vrai. Mais c'est avec le tiers aussi qu'il va battre Satan. À plate couture, dos et ventre. Amen. Hey, il est quand même le créateur. Amen. Satan a ceux qui sont sur les pierres. Il y a de la terre sur la pierre. La semence tombe dessus. La semence va germer. Parce que lui, il croit. Hein? Sauf qu'il n'a pas de racines. Il n'a rien à l'intérieur qui fait que la parole s'ancre et qu'elle tienne. Pourtant, il a reçu la parole avec empressement, avec joie. Il a sauté, il a dit Alléluia, il a crié, il était content. Mais dès qu'il sort, c'est terminé. Ça, c'est la terre pierreuse. La semence tombe, elle germe, elle meurt, elle est brûlée. La deuxième catégorie de ceux qui sont du côté de Satan, c'est cette terre qui a des épines et des ronces. Une terre épineuse. Vous ne voyez pas les épines. Allez même au stade Omnisport, prêchez là-bas qu'il y ait des centaines de milliers de personnes. Vous ne direz pas que celui-ci, il a une terre épineuse. Vous ne pouvez pas voir. Vous verrez seulement lorsque la parole sera tombée dedans et qu'elle aura commencé à germer. Parce que quand la parole tombe dans cette terre-là, la terre-là vient à l'église.
La terre là reçoit la parole. La parole commence à germer. Et la terre là a besoin davantage de parole. Parce que la pluie tombe et engraisse le sol. Et le soleil sort et donne la vie aux semences. Amen. Mais comme le soleil donne la vie à la graine ou à la semence, la bonne, le soleil donne aussi la vie à l'ivraie. Et les deux commencent à monter, mais comme vous le savez, le mal est toujours plus que le bien. Alors, la mauvaise herbe, l'ivraie, les ronces, les épines montent rapidement, rapidement. La semence arrive là, c'est terminé. J'ai vécu cette expérience personnellement. Il y a très longtemps, j'étais allé à Yaoundé, chez le pasteur Sanamapé, à son âme, devant sa cour, il y avait des goyaviers qui donnaient des grosses goyaves comme ça. Des grosses. C'est les goyaves rouges, ce n'est pas les goyaves traditionnelles. Mais comme c'était les premières portées, les goyaves étaient vraiment grosses. Et moi, j'ai pris la semence. Je suis arrivé à Douala, je suis allé planter ça là-bas à Makepe. Et comme il n'y avait personne pour entretenir, les herbes sont poussées. Et ont tué ma bonne semence de goyave. Et c'est ce que Jésus dit ici. Les épines ont étouffé la semence. Pourquoi? Parce que cette terre-là était mélangée de toutes sortes de soucis, des problèmes de la vie. Oh, je n'ai pas de travail. Oh, je n'ai pas l'argent pour me marier. Oh, jusqu'à présent, aucun frère ne me regarde. Oh, ça ne va pas, frère. Je n'ai pas d'argent. Il me manque ci et il me manque ça. À cause de ces choses, la parole a été étouffée. C'est une terre qui ressassait ses problèmes, les problèmes de sa vie. Oh, j'ai trop de problèmes, ça ne va pas. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu ne me regarde pas, il n'y a que malheur sur moi, il n'y a que problème. Et ça a été tellement touffu que la petite semence qui est tombée pourtant dedans et qui même avait germé ne pouvait plus croître. Elle a été étouffée et finalement, elle est morte. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne peux pas m'attarder sur ces choses à cause du temps. Donc, développez vous-même. Voilà donc, il y avait aussi une quatrième terre. La même semence est tombée aussi dans cette quatrième terre. Mais, gloire à Dieu, elle était une bonne terre. Elle avait tous les engrais naturels nécessaires pour transmettre la vie à la semence, c'est-à-dire pour engraisser la semence. Et bien sûr, la semence a germé, elle a grandi, elle a porté des fruits, et Jésus dit un grain 100, un grain 60, un grain 30. Dans le message des trois sortes de croyants, prêché le 24 novembre 63, au paragraphe 30, Frère Branham dit, « Eh bien, j'aimerais parler maintenant de trois différentes sortes de croyants. » Or, rappelez-vous, il s'agit de croyants. Et nous venons de les voir. Nous laissons d'abord les incroyants. Mais parmi ceux qui disent qu'ils croient, il y a la terre pierreuse, la terre épineuse et il y a la bonne terre. Mais tous sont dans le groupe des incroyants avec les autres. Or, rappelez-vous, il s'agit de croyants. Mon sujet est les croyants. L'un est un vrai croyant, l'autre est un soi-disant croyant et l'autre est un incrédule. Voyez-vous, c'est de ça que nous parlons maintenant. S'il y a la semence, il faut qu'il y ait un semeur. Amen. Nous allons revenir sur ça aussi, Dieu voulant, jeudi. Il faut qu'il y ait un semeur. Et il y a des semeurs. Amen. Le premier semeur de cette histoire, de ces âges de l'Église, c'était l'apôtre Paul.
Paul était le premier semeur. Il représentait le grand semeur, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et Paul était l'image d'Adam, si on peut revenir dans l'Ancien Testament. Il y a eu Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et Branham. Et dans l'ancien temps, il y a eu Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Jared et Enoch. Et ça correspond. Sauf que nous n'avons pas le temps d'y arriver. L'église d'Éphèse, c'est une église que Paul avait initiée. C'est lui qui en était le fondateur. Paul a travaillé dans cette église pendant 3 ans. Après quoi, il a laissé Timothée, son fils, être l'évêque de cette église. Donc l'église d'Éphèse, après Paul, avait été conduite par Timothée. Mais l'ange d'Éphèse, après Paul qui en était le messager, a été conduit autant pour moi, par Jean. L'église locale d'Éphèse a été fondée par Paul. Après Paul, c'est Timothée qui en est devenu l'évêque. Mais l'âge d'Éphèse, ce n'est pas l'église locale d'Éphèse. L'âge d'Éphèse, c'est l'ensemble de tout ceux qui vivaient dans cet intervalle de temps qui s'appelle l'âge d'Éphèse, qui a commencé en 53 après Jésus-Christ pour s'achever en 170 après Jésus-Christ. Un âge qui a duré 113 ans. Non, 117 ans. 117 ans. Alors, Paul était le messager de l'âge, c'est-à-dire toutes les églises, tous les croyants, tous les incrédules, tous les soi-disant croyants de cet âge-là, Paul était leur messager. Et quand Paul est parti, c'est Jean qui a pris la relève. Frère Branham le dit dans le message, la réunion des ministres, n'est-ce pas, de 1962, le titre c'est « Se ranger du côté de Jésus ». Il dit qu'après Paul, c'est Jean le divin, qui a pris la relève. Donc, cette église locale d'Éphèse était une église modèle. Quand vous lisez, n'est-ce pas, ce que Paul dit de cet âge, vous allez voir que c'était une église spirituelle, une église remplie de dons spirituels. Parce que cette église était bâtie sur le fondement des Écritures, de la parole de l'âge apostolique, de l'âge alpha. C'était donc une église de la parole, une église assise dans la parole. Alors que l'église des Corinthiens était une église désordonnée, une église où il y avait toutes sortes de troubles et de choses. Frère Manon dit dans le message Dieu dévoilé, prêché le 14 juillet 1964, paragraphe 261, il dit « Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la parole est le Père. » La parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre, uniquement les croyants. Et si l'église d'Éphèse était une église de vrais croyants, où il y avait des croyants vraiment, si elle a commencé sur la base apostolique, ça veut dire que c'était une église de la parole. Amen.
Au paragraphe 262, il dit, si l'engrais dans le sol n'est pas tiré, n'est pas point, 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 que ce blé n'a pas été fécondé pour réagir à cet engrais, il ne poussera jamais. Si le blé, si la semence va en terre et elle n'est pas engraissée par les engrais qui sont dans le sol, bien sûr que cette semence ne poussera pas, dit Frère Branham. 263. Jésus l'a dit. Une tomba le long du chemin dans les endroits pierreux et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. C'est ce que la Bible nous a aussi dit. Ensuite, il a dit, une partie tomba dans les épines et les chardons, lesquels montèrent et l'étouffèrent aussitôt. Les traditions, les dénominations, les soucis du monde l'ont étouffé. Vous dites amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des plaignards. Je me demande pourquoi. Si je n'ai pas mangé hier ou aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Si je n'ai pas de beaux vêtements, ce n'est pas la fin de tout. Je n'ai pas aujourd'hui, je pourrais avoir demain. Amen. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. Jésus nous a déjà dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, de ce dont vous vous vêtirez. Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais nous sommes toujours en train de nous plaindre. Moindre chose, on se plaint. Un frère fait une erreur, on se plaint. Un frère nous gratte, on se plaint. On est devenus des plaignards. William Branham dit que c'est la couronne du diable. Frère Branham dit, mais il a dit, une partie tomba dans la bonne terre et produisit au centuple. Il a dit, ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est la même chose, voyez-vous. Certains ne croiront pas du tout. Paragraphe 264. Certains croiront pendant un petit moment, comme les disciples. Ça, c'est la terre pierreuse. Ils ont suivi beaucoup d'entre eux. Ils ont suivi beaucoup d'entre eux. Les 70 l'ont suivi pendant des années pour voir ce qu'il en était. Environ un an et demi ou deux ans, juste pour voir ce qu'il en était jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose en lui. Comme un moyen qu'il aurait eu, un pouvoir pour faire ces choses. Ou comme une pâte de lapin, de magicien quelconque, ce qu'il pouvait faire pour produire ces choses, comment il pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur des gens et ce qu'ils pensaient. Ils ont fini par découvrir qu'il disait qu'il était descendu du ciel. Ils cherchaient, n'est-ce pas, une erreur quelque part. Vous arrivez dans une église, vous prêchez, les gens sont là, ils vous regardent, vous pensez que la parole est en train d'entrer. Ils attendent l'erreur. Ils attendent, comme le pécheur surveille, n'est-ce pas, le liège, hein, le liège, pour voir si le poisson est en train de mordre. Il attend, il surveille. Tu dis des choses, des bonnes choses, ce n'est pas son problème, ce n'est pas ça qu'il attend. Il attend que tu commettes une erreur. Oh, c'est avec ça qu'il va sortir. Oh, vous dites alors que, n'est-ce pas, c'est lui qui a dit que. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils trouvent. Ils entendent Jésus dire qu'il est descendu du ciel et qu'il était lui-même la parole. Et à ce moment-là, ça, c'était trop fort pour eux. Ils ont dit, personne ne peut comprendre ça. Et ils se sont éloignés de lui. Voilà ceux qui sont tombés parmi les épines. Amen. Oh, amen. Amen. Paragraphe 267. On en revient à la même chose. Dans chaque assemblée, il y a des soi-disant croyants, des incroyants et des croyants. C'est ce qu'il y a toujours eu dans chaque assemblée. C'est ce qu'on trouve tout le temps. Certains font semblant d'être des croyants. Ça, c'est la pire catégorie. C'est vrai. Et puis, il y a ceux qui sont réellement incroyants. Lui,
il ne vous causera pas d'ennui. Il va simplement s'en aller en secouant la tête. Vraiment, des fous. Les gens sont fous sur la terre. Il ne vous fera pas de mal. Mais ceux qui font semblant de croire, qui disent être croyants, c'est cette espèce-là, c'est cette espèce-là qu'il faut surveiller. C'est soi-disant croyants. Et puis, il y a des croyants véritables. Et vous voyez là, les trois. Amen. Nous avons dit tout à l'heure, que dans cette église d'Éphèse, il y avait déjà les germes, les semences de destruction de l'église. Parce que quand Satan a été chassé du ciel, il est venu sur la terre pour corrompre tout ce que Dieu ferait et détruire. Et quand l'église aussi a commencé, depuis l'église Alpha, à l'âge pentecôtiste, Satan est entré dans l'église même du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il n'y a pas un endroit où il n'entrera pas. Ne dites pas, oh non, notre église, vraiment, nous irons tous dans l'enlèvement. Vous pouvez rêver, c'est permis. Bats-toi pour aller dans l'enlèvement. Tu n'es même pas sûr que ton plus proche voisin ira avec toi. Tu ne sais même pas si ton mari ou ta femme ira. Tu ne peux pas jurer que ton pasteur sera là-bas. Donc, fais tout ce que tu peux pour que toi, tu sois là-bas. C'est ça la foi. Nous avons vu les quatre opérateurs de destruction. Nous avons parlé de la sauterelle du Gélec, du Asil, du Gazam. Mais dans l'église chrétienne, nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Joël. Nous avons eu un Luther, un Wesley, un Branham et la parole. Parce que Branham est le messager de l'âge des pentecôtistes, de l'âge de Laodicée. Quand il a enlevé ce manteau-là du septième messager, alors il a porté un autre manteau, une autre veste, un autre ministère, le ministère du Fils de l'Homme. C'est pour ça que nous disons que Branham a eu deux ministères. Il y a eu trois phases de destruction de l'Église. Et il y a eu trois phases de restauration de l'Église. Bien sûr, je sais que vous allez me dire qu'il y a eu quatre phases. Je serai d'accord avec vous. Mais sachez que la quatrième phase, en réalité, c'est la somme des trois premières. Parce que nous avons vu l'Antichrist. Il a chevauché comme Nicolaïte, il a chevauché comme Balaamite, il a chevauché comme Jézabélite, et il est devenu lui-même, c'est-à-dire la mort. Le cheval blanc, le cheval blanc de l'innocence, le cheval rouge des guerres, le cheval noir des famines, et enfin le cheval livide de la mort. Il a retrouvé sa véritable... Vous voyez, il vient d'abord pour vous tromper. Il commence à prendre de l'ampleur, du pouvoir, de l'espace. Et quand il voit qu'il s'est affermi, alors directement, il cherche à vous tuer. Nous allons parler du nicolaïsme. Le balamisme et le jézabélisme, nous en parlerons après. Qu'est-ce que le nicolaïsme? Je préfère que Frère Branham explique. Cela nous permet d'avancer vite. Dans le message, il n'en était pas ainsi au commencement, prêché le 27 novembre 1960. William Branham dit au paragraphe 22, « Remarquez bien, cela avait commencé par des œuvres des Nicolaïtes. Peu après, c'est devenu une doctrine. Il a changé de cheval, il a changé de visage, et il a emprunté un autre visage. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ôté de l'assemblée tout esprit et ils ont établi des évêques, des surveillants, des papes. Le nicolaïsme,
c'est le fait d'enlever l'influence du Saint-Esprit dans l'Église et de donner à l'Église la conduite des hommes. C'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui voient bien, c'est les hommes qui... Tout ce qu'il faut, c'est les hommes qui se rassemblent, qui utilisent leur intellect et qui donnent et qui prennent des décisions dans l'Église. C'est ça qu'on appelle le nicolaïsme. Ils deviennent les dominateurs des laïcs. Le clergé prend sur les laïcs, sur le peuple, un pouvoir illimité. Alors, le pasteur, parce qu'on prend tout le pouvoir, et on le donne à une personne. Le clergé, maintenant, s'étage. Le peuple, c'est un peuple d'esclaves. Ils sont là seulement pour obéir et pour s'exécuter. Au-dessus d'eux, il y a une catégorie qui les surveille, hein, comme en Égypte, les chefs de corvée. Et plus en haut, il y a les prêtres. Et au sommet, il y a Pharaon. Le grand pasteur, on ne l'approche pas, on ne lui parle pas n'importe comment. On ne peut pas aller directement vers lui, il faut aller vers ses prêtres. Toi, tu es qui pour aller voir le pasteur? Un chrétien peut rester 6 mois, il veut voir son pasteur pour son mariage. Non, il ne peut pas le voir. Le pasteur n'est pas à sa disposition. Ou bien il est occupé, ou bien il est en voyage, il n'est pas là. Tu vas voir les huissiers, même que dans certaines églises, il y a même les diacres. Mais il y a des églises où il n'y a même pas de diacres, il y a les huissiers. Nous avons voyagé, nous avons vu. Vous avez beaucoup de grâce ici au Cameroun. C'est vrai qu'il y a cette semence-là aussi au Cameroun, mais très peu. Très peu. La plupart des pasteurs que je connais sont accessibles. Ils sont à la disposition du peuple. Vous pouvez les contacter à tout moment. C'est vrai, il y en a aussi qui ont pris cette semence d'ailleurs et qui l'ont introduite. Le pasteur! Non! On ne parle pas au pasteur, on ne s'approche pas du pasteur, on ne salue même pas le pasteur, on ne tend pas la main. Non, non, tu salues le pasteur, tu fais ses mots comme ça. Le pasteur passe là-bas. Vous dites, mais c'est terrible. Hein? Un problème qui concerne l'Église, c'est le pasteur qui décide. Parfois, il n'y a même pas de diacre. Alors, vous voulez que qui décide? Les diacres sont assis, les administrateurs sont assis, ils n'ont plus rien à faire. Parce que de toute façon, ils ne sont pas d'accord avec le pasteur. Et si le pasteur n'est pas d'accord avec eux, allez, il est balayé. Personne n'a rien à dire et personne ne dit rien. C'est une église, ça. Nous avons un modèle d'église, hein. William Branham nous a dit comment est une église. C'est pourquoi je ne cesse pas de vous dire. Si vous voyez que votre pasteur, moi ou le prochain qui va venir après moi, si vous voyez qu'il est sorti de la parole, ramenez-le, allez le voir. Amen. Je dis, dans une église, s'il y a des problèmes dans l'église, si les problèmes concernent le pasteur, il ne peut pas être juge et parti. Les anciens doivent prendre leurs responsabilités. Les anciens vont voir le pasteur et discuter avec lui. J'ai encore un cas entre les mains là. On me dit qu'il y a un pasteur qui ne veut même pas que les anciens discutent avec lui. Les anciens proposent même qu'on aille à l'église, qu'on en parle. Non, on n'en parle même pas. D'abord, il n'y a même pas de conseil d'anciens, il n'y a même rien. Et on me demande ce que je dois faire, ce qu'on doit faire. Et on veut que c'est moi qui dise ce qu'on doit faire. Branham n'a pas déjà dit ça à suffisance dans le message. Quand ça brûle, on appelle. Quand c'est bon, on ne connaît pas. Mais sachez que l'église n'est pas l'église du pasteur.
Le tabernacle de l'aigle n'est pas l'église de Belé. C'est l'église du peuple qui se réunit ici. Amen. Je peux être dans l'erreur. Venez m'aider à sortir de mon erreur. Parlez-moi en frère. J'ai des oreilles, j'entendrai mes frères. J'ai des oreilles. Il n'y a pas quelqu'un qui soit inaccessible. Il n'y a pas quelqu'un à qui on ne peut pas donner un conseil. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut écouter personne. Non! Bon, à moins que l'église soit une boutique que tu as ouverte, tu la gères à ta guise, ok, ça va. Ça, c'est bon. Dans l'exposé des sept âges de l'église, page 197 dans la machine, paragraphe 2, Frère Branham, il dit « Nicolaïte veut donc dire soumettre les laïcs. » Vous avez entendu? Amen. Non, il n'y a pas de conseil d'assemblée, il n'y a pas de conseil des anciens. Ce que le pasteur voit comme c'est ça qui marche. Et si tu oses parler contre, Branham dit: or, pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais mis son Église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. C'est vrai. Non, vous n'avez même pas compris. C'est vrai. Laissez-moi relire ça. Or, pourquoi est-ce si terrible? Pourquoi est-ce une chose terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais mis son Église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Amen. Il a confié son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'Esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Amen. 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 Voilà l'Église. Je vous ai toujours dit que je ne serai pas toujours ici. Et vous aurez à continuer, si le Seigneur le veut bien, avec d'autres personnes. Ce que je vous dis aujourd'hui peut vous servir aujourd'hui et pourra vous servir demain. William Branham dit, le nicolaïsme détruit ses principes en séparant les ministres du culte et les gens, et en donnant au guide spirituel une place de dominateur au lieu d'une place de serviteur. Page 369, paragraphe 2. Le troisième âge nous révèle, par l'esprit de prophétie, que l'Église mondaine allait adopter le nicolaïsme comme doctrine. C'est ça qu'ils font dans toutes leurs dénominations là-bas. La séparation entre les clercs et les laïcs a évolué depuis la vérité biblique selon laquelle les anciens, c'est-à-dire les bergers du troupeau local, gouvernaient le troupeau par la parole pour devenir, et cela est devenu donc les œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire le clergé qui s'organisait en une hiérarchie à plusieurs niveaux de domination. Formule contraire à l'Écriture et qui évolua ensuite vers une prêtrise qui plaçait les clercs entre les hommes et Dieu, donnant certains droits aux clergés tout en privant les laïcs des droits que Dieu leur donne. C'était une usurpation. Le clergé a usurpé les droits qui ne sont pas les siens. J'ai dit que le balamisme, nous allons voir après, et aussi le jézabélisme. Amen. Amen. Il y a donc un groupe de destruction et il y a aussi un groupe de restauration. Amen. Pour détruire, l'Antichrist a utilisé le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Et pour restaurer, Dieu a utilisé l'esprit du lion, l'esprit du veau, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'aigle. C'est-à-dire, il a utilisé trois esprits qui, mis ensemble, manifestent
l'esprit de l'aigle qui est Dieu lui-même. Amen. Nous avons les types dans l'Ancien Testament. Nous avons Abraham qui représente la foi. Lui, c'est le lion, le roi. Et c'est ce que nous voyons, c'est comme ça que Matthieu présente le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi d'Israël, le roi des Juifs. Ensuite, nous avons Isaac qui représente l'amour. Il est le veau, l'animal du sacrifice, le serviteur. Il a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même. C'est le sacrifice. Et c'est comme ça que le livre de Marc nous présente le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ensuite Jacob qui représente la grâce. Lui, c'est l'homme. Et l'homme, c'est le pécheur. Il a besoin de grâce. Le juste n'a pas besoin de grâce. C'est le pécheur qui a besoin de grâce. Et c'est ainsi que le livre de Luc nous présente le Seigneur Jésus-Christ, le pécheur. Nous avons vu dimanche, je crois, que Jésus est devenu péché pour nous. Joseph, le quatrième, parce que c'est là les quatre fondations de l'Église de l'Ancien Testament et de l'Église tout court. C'est ça les quatre fondations. Joseph représente la perfection. Il représente l'Église arrivée à la perfection. C'est l'aigle. Et l'aigle représente Dieu lui-même. Et c'est comme ça que Jean nous présente le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Je dois bientôt terminer. Nous sommes en train de parler de la saison de l'ensemencement. Qui est l'âge de l'église d'Éphèse. Là où les semences sont entrées en terre. Là où Dieu a placé sa semence parole. Où l'Antichrist est venu planter sa semence de discorde. Toutes les semences sont entrées dans l'Église dès le premier âge. Et chaque réveil produit des jumeaux. Et le réveil d'Éphèse a produit des jumeaux. La semence de vie et la semence de discorde. Dans le message, le cinquième sceau. Frère Branham dit au paragraphe 123, « Quand cet antichrist chevauchait avec son faux enseignement, Dieu a envoyé son enseignement à lui, la parole, le lion de la tribu de Judas, qui est la parole manifestée dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est la parole, était là pour se manifester. » Il y a eu deux semences dans l'Église. La semence de l'Antichrist, l'enseignement de l'Antichrist, la doctrine de l'Antichrist, la parole de l'Antichrist qui était une semence de discorde, et la semence de Dieu qui était la parole, le roi, le lion, le roi de Juda. La parole et le Saint-Esprit sont un. Voilà les deux semences en terre. Nous allons entendre Dieu dans le message à Laodicée. Nous allons y arriver dans un instant. Au paragraphe 123 du cinquième sceau, Frère Branham dit, « Quand cet antichrist chevauchait avec son faux enseignement, Dieu a envoyé son enseignement à lui, la parole, le lion de la tribu de Juda. » Au paragraphe 124, il dira, c'est pour ça que dans l'Église primitive, il y avait des guérisons, des miracles, des visions et la puissance. C'est parce que c'était la parole vivante sous la forme du lion de la tribu de Juda qui sortait pour combattre. Amen. Amen. Donc dans ce premier âge de l'Église, l'ennemi, c'était le cheval blanc. Au travers des Nicolaïtes qui voulaient écraser les laïcs,
qui voulait dominer sur les laïcs pour les entraîner ensuite dans la dénomination. Mais Dieu aussi a envoyé son animal. Et c'était le lion, le maître de la terre, le lion de la tribu de Juda. Et il représentait la parole, la pure parole de Dieu. Et c'est donc avec la parole que les semeurs de cet âge-là sont allés combattre l'ennemi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand nous arriverons au dernier âge de l'Église, vous verrez que nous aurons besoin de tous ces animaux, tous ces êtres vivants, comme le français les traduit, mais en anglais ce sont les animaux. Beast. Donc, nous aurons besoin du lion de la tribu de Juda. Nous aurons besoin du veau, l'animal sacrificatoire. Nous aurons besoin de l'homme avec sa perspicacité et son intelligence. Et nous aurons besoin de l'aigle volant pour être au-dessus de tous les rouages de l'ennemi. Frère Branham dit au paragraphe 141. Donc, le premier, c'était ce lion qui a rugi cette parole pure et sans mélange. Paragraphe 195. Maintenant, n'oubliez pas. Donc, au jour du lion de la parole, à peu près une personne sur 100 a écouté le lion. Dans la semence n'héritera pas avec la balle, prêché le 29 avril 65. Au paragraphe 121, Frère Branham dit, qu'est-ce qui était sorti en premier? C'était un lion pour faire face à l'âge romain. C'était la parole, l'originel. Je veux souligner ici l'importance de la parole. Vous ne pouvez rien faire sans la parole. Si vous voulez travailler pour Dieu, vous avez besoin de cette parole. Je ne dis pas de la parole de votre église ou de la parole de votre dénomination, mais de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons être certains que ce qui nous est apporté est la parole de Dieu. J'étais peut-être un peu dur dimanche quand je parlais des prêcheurs et des prédicateurs. Mais je vous assure, une église qui n'a pas un vrai prédicateur de la parole, c'est une église qui est entre les mains de l'ennemi. Parce qu'il n'y a rien qui puisse protéger l'église comme la parole de Dieu. William Branham dit, c'était la parole originelle. Il est le lion de la tribu de Juda. Christ lui-même est allé affronter cet âge-là. Nous savons que Christ, c'est la parole. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 12, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollo et moi de Céphas et moi de Christ. L'apôtre Paul ressort ici les différentes sortes de terres qui sont dans l'église. Oh non, moi je suis de Paul. Parce que Paul a été attrapé en pleine route. Mais ils ne savent pas que ceux qui marchaient avec Paul ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas été sauvés. Ils sont tombés à terre, c'est vrai. Ils ont entendu le bruit du tonnerre, mais ils n'ont pas entendu la voix. Ils ont vu l'éclat de la lumière, mais ils n'ont pas vu celui qui était dans la lumière. Les autres disent, non, moi je suis de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Ils ont cru, mais sur les pierres. Donc, ils n'ont pas eu de profondeur. Les autres vous diront, oh non, moi je suis d'Apollo. Mais ils ignorent que c'est cet Apollo-là qui est entré dans l'église venant, hein, n'est-ce pas, du pharisaïsme. Il était docteur de la loi. Il a commencé à prêcher. Heureusement que Paul était là pour le corriger.
Les autres disent, moi je suis de Christ. Oui, tout le monde doit être de Christ. Parce que Christ n'est pas divisé. Je veux ressortir ici que l'Église commençait déjà à s'émietter, à se diviser dans les appartenances. Une Église où il y a plusieurs prédicateurs, le pasteur Bélé a ses fidèles, le pasteur Esselem a ses fidèles, le pasteur Biam a ses fidèles, le pasteur Chimie a ses fidèles. Ne pensez pas que ce que je dis c'est un mensonge. Il y a des gens qui, pour être sûr que c'est comme ça qu'ils doivent faire, ils consultent le pasteur tel ou le pasteur tel. Mais c'est une faute, c'est une erreur. Yes, c'est Satan. C'est ici, il y en a qui préféraient Paul. Oh non, moi je préfère Paul parce que quand il entre dans les doctrines, c'est quelqu'un. Non, moi je préfère Pierre. Il a la puissance. Il guérit les malades. Oh non, moi, je préfère Apollo. Apollo, il connaît la loi. Il connaît la loi. Oh non, moi, je préfère Christ. Ben, Christ, c'est la somme de tous les trois. Paul le leur reproche, même dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 4, il dit, quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes, c'est-à-dire des charnels? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen, vous voyez, on est en train de vouloir confronter ici deux docteurs. Paul était un docteur de la parole, Apollo était un docteur de la parole. Et on veut les mettre sur les balances et chacun préfère sa part. Il faut préférer la parole. Amen. Quand nous arriverons au temps de la moisson, nous verrons que notre moisson dépendra des semences. Amen. Ce que nous sommes en train de faire dès le commencement, c'est ce que nous allons moissonner à la fin. Amen. Je dis toujours à mes jeunes frères pasteurs d'assemblée, donnez la parole à votre église. Amen. Enseignez-vous-même votre église. Amen. Quelqu'un vient de commencer une église, elle n'a même pas encore 2-3 ans. Il faut que tous les prédicateurs du monde entier viennent prêcher dedans. Pour faire quoi? J'ai mon église, je prêche seul. Amen. Ou alors, si nous sommes 2 ou 3 dans l'église dès le départ, bon, de temps en temps, je laisserai les autres prêcher. Parce qu'ils sont dans l'assemblée. Frère, je veux venir te visiter. Mais laisse-moi d'abord enraciner Amen. Mon église. Que mon église ait d'abord des racines. Parce que quand elle a déjà des racines, tu ne viendras pas la déraciner. Mais si elle n'a pas de racines, oh non, je vais en voyage missionnaire. Il va en voyage missionnaire pour 1 mois. Tu laisses l'église avec qui? Oh non, j'ai là-bas un jeune frère qui se débrouille. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es peut-être un ministre, mais tu n'es pas un pasteur. Frère Branham dit qu'un pasteur, il reste avec les brebis. De telle manière qu'il sent l'odeur des brebis. Il rit comme les brebis. Amen. Il parle comme les brebis. Tellement il est resté près des brebis. Amen. Voilà un pasteur. Laissons ça. Il y a 4 choses qui déterminent une bonne moisson. La première, c'est la semence. Quel genre de semence avez-vous en main? Vous n'avez pas encore planté. Vous avez la semence en main. Mais c'est quel genre de semence? Ça peut être une semence de discorde. Elle peut être luisante, brillante. Elle est jolie, bien arrondie, bien dodue. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne semence. La bonne semence, c'est celle qui a la vie en elle. Et la seule semence qui possède la vie, c'est la parole révélée de Dieu. Amen. C'est très important. Quand vous attendez une moisson,
vérifiez d'abord la semence que vous allez mettre en terre. Amen. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le semeur lui-même. Lui-même. Quel genre de semeur es-tu? Ouais, ah, tout le monde peut semer, hein? Ah, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait semer. Amen. La troisième chose, c'est la terre. Et un bon semeur connaît la bonne terre qui va avec la semence qu'il a dans la main. Donc tu dois connaître ta semence, tu dois connaître quelle terre va permettre à ta semence de se fructifier. Et enfin, quatrièmement, la saison. Tu dois connaître la bonne saison. Alors, on a besoin d'un bon semeur. On ne prêche pas ci ou ça parce qu'on a un peuple devant soi. On doit prêcher par la vision. Tu sais où tu amènes les gens. Tu ne prêches pas comme c'est Marie. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, je vais prendre Matthieu 13. Tu prêches Matthieu 13. Je dis, va dire, ouais, qu'est-ce que je vais dire? Je prends Matthieu 25. Tu prends Matthieu 25. Bon, Matthieu 13, Matthieu 25, ça amène les gens où? Vous avez suivi les prédications de Frère Branham. Si vous faites attention, regardez les prédications de Frère Branham, suivez toujours des lignes. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Aujourd'hui, Frère Branham prêche ci, demain il prêche ça. Essayez de rapprocher les deux, vous allez voir une concordance et une évolution. Voilà comment on prêche. Amen. Si tu es la bonne sorte de semeur, tu prêches, tu observes le peuple. Tu prêches, tu testes le peuple. Parfois, le pasteur fait quelque chose exprès. Je ne parle pas de péché. Il fait quelque chose ou il dit quelque chose exprès pour tester les gens, pour voir si les gens comprennent, pour voir s'ils suivent. Est-ce que vous avez entendu ce que le pasteur a prêché? Ça veut dire, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez la vision qui est dans l'esprit du pasteur, où il veut vous amener? Parce que si vous ne voyez pas la vision, vous allez être un blocage pour le troupeau. Le pasteur envoie toutes les brebis d'un côté. Toi, tu es là, tu ne sais pas où tu veux aller. Parfois, tu rentres en arrière, parfois, tu veux aller de côté. Non, tu n'as pas vu la vision du pasteur. Chacun doit chercher à entrer dans la vision du pasteur. Amen. Si du moins, tu es convaincu que c'est un homme de Dieu. Amen. On ne prêche pas pour prêcher. Tu es venu, tu as dit ceci. Demain, tu viens, tu dis la même chose. Après, demain, tu dis quelque chose d'autre, mais tu retombes sur la même chose. Tu te répètes tout le temps. Tu vas fatiguer les gens. Et on voit plein de cela dans le monde aujourd'hui. Et si quelqu'un a changé, faites attention. Suivez-le bien. Vous allez voir qu'il est en train de répéter quelqu'un d'autre. C'est très difficile, très grave. Mais chacun, nous tous, hein, nous répétons. Chacun répète quelqu'un. Vous comprenez? Chacun répète quelqu'un. Mais pendant que tu répètes quelqu'un, il faut que tu aies toi-même un fondement, une base. De manière qu'en répétant quelqu'un, qu'on voit que tu maîtrises ce dont tu parles. Je suis en train de répéter Branham ici. Est-ce que c'est mon message? Et parfois, je répète d'autres prédicateurs. J'entends un prédicateur qui dit quelque chose de bien. Je retiens quand je prêche et que je suis dans la même lignée, dans la même lancée. Alors, je répète. Amen. Mais je sais pourquoi je répète et je sais de quoi je parle. Amen. On ne répète pas non plus pour répéter. C'est vrai. Frère Branham dit, les portes dans la porte. Paragraphe 40, prêché le 6 février 65, paragraphe 40. Il dit, ainsi, notre seule responsabilité, écoutez-moi vous les prédicateurs, notre seule responsabilité, c'est de semer les semences, de donner la parole. Amen. Dites amen. Amen.
La responsabilité du prédicateur, ce n'est pas le prédicateur qui va te sauver. Ce n'est pas le prédicateur qui va te donner la révélation. Tu dois la chercher toi-même auprès de Dieu. Le prédicateur t'explique les choses, mais la révélation est souveraine en Dieu. Notre seule responsabilité, c'est de semer les semences. Une partie est tombée le long de la... Voyez le semeur. Il prend comme ça, il lance. Est-ce que c'est lui qui va orienter encore chaque semence? Que le vent les emporte. Et que le vent les dépose où il veut. Moi, j'ai fait ma part. Une partie est tombée le long de la route. Une autre sur différentes sortes de terres. Une autre est tombée là et a produit au centuple. Ainsi, nous sommes simplement des semeurs de semences. Maintenant, la semence va évoluer selon les terres, selon la foi. Si ta foi est limitée aux choses que tu as déjà lues, ok, la semence aussi va croître jusqu'à ce niveau. Si ta foi peut s'élever jusqu'aux choses que tu n'as pas encore lu, alors la semence va évoluer jusque-là. Si ta foi peut s'élever jusqu'aux choses qui ne sont pas écrites sur les lignes, mais qui existent entre les lignes, alors ta foi aussi, la semence aussi va suivre ta foi. Ça dépend de la sorte de terre qui est en toi. C'est Dieu qui oriente cela quand ça tombe. Amen. Yes. Oh, le pasteur l'a prêché, je n'ai rien compris. Bon, ce n'est pas un problème. Va demander à Dieu. Amen. Au temps de la moisson, nous sommes au temps de la moisson, mais nous n'allons pas parler de moisson ce soir. Nous allons parler de la moisson lorsque nous arriverons à la prophétie de Jésus sur l'âge de la moisson. Maintenant, nous parlons de l'âge de l'ensemencement. Jésus dit que quand ces semences sont tombées en terre, elles ont germé et elles ont grandi. Je parle de la semence qui est tombée sur la bonne terre. Toutes les terres aussi ne produisent pas de la même façon. Un grain a donné 100, un grain a donné 60, un grain a donné 30, chacun selon la grâce qui lui a été faite. Oh, amen. Ne compare pas ta vie à la vie de quelqu'un d'autre. Ne compare pas tes dons aux dons de quelqu'un d'autre. Chacun a ses dons et selon ces dons-là, sers Dieu de tout ton cœur. Oh, quelle bonne terre. Elle a donné 100. C'est la même terre, hein? C'est la même terre qui a donné 100, 60 et 30. C'est la même terre. Cette terre a donné 100. 100, c'est 10. Nous sommes d'accord? Si vous enlevez un 0, c'est 10. 10, c'est le nombre du monde, comme nous a dit Frère Branham. La terre-là a aussi donné 60. Si vous supprimez le 0, il reste 6. Cette terre a aussi donné 6. C'est le nombre de l'homme. Et cette terre a aussi donné 30. Et en supprimant le 0, la terre-là aura donné 3. Et 3, c'est le nombre de la perfection. Nous sommes ensemble? C'est une bonne terre. Elle a donné 10, 6, 3, c'est-à-dire du monde entier. Cette terre a produit des hommes rendus parfaits. Amen. C'est ce que Jésus voulait nous dire dans Matthieu 28, verset 19. Allez partout le monde. Le monde entier. Amen. Amen. Et prêcher la bonne nouvelle. Amen. En les baptisant, les qui? Les hommes. Les hommes. En les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous aurai commandé. Amen. Maintenant, si vous leur enseignez tout ce que je vous aurai commandé, Jésus a dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc c'est la vérité, la parole, qui est la parole qui sanctifie, qui rend parfait. Amen. La bonté, une foi authentique, ancrée dans la parole de Dieu, elle produit dans le monde entier des hommes et des femmes rendus parfaits par la parole. Amen. Alléluia. Yes, gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes frères, dans cet âge d'Éphèse, les semences qui sont allées en terre et qui sont tombées sur la bonne terre ne pouvaient pas mourir. Amen. Elles devaient se perpétuer. Ces semences avaient déjà reçu la vie éternelle. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on transmet. Amen. Vous croyez ça? Amen. Frère Branham pose une question et il donne la réponse. Quelqu'un peut-il donner la vie éternelle à quelqu'un d'autre? Vous avez déjà entendu les gens dire, mais ce n'est pas toi qui vas me donner la vie éternelle. Ça peut être moi. Amen. Hein? Je ne vous embrouille pas un peu, n'est-ce pas? Mais non, ça peut être moi. Je peux vous donner la vie éternelle. Amen. À condition que moi-même, je l'ai. Bien, si je l'ai, je peux te donner. Amen. Un homme peut-il donner la vie éternelle à un autre homme? William Branham répond, un fils de Dieu le peut. Amen. La vie éternelle, si elle est en vous, vous pouvez donner à quelqu'un. Le Saint-Esprit, si vous l'avez, vous pouvez donner à quelqu'un. Amen. La vraie parole, si vous l'avez, vous pouvez aussi donner à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la parole véritable vivifiée par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, chaque homme de Dieu, ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui entreront peut-être dans le terrain l'un de ces jours, parce qu'il y a toujours des ministres qui sont appelés, Jésus a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, implorez le maître de la moisson pour qu'il ajoute des ouvriers à la moisson. Il en viendra tous les jours. Mais mon frère prédicateur, si réellement tu es appelé de Dieu. J'ai dit dimanche que si tu n'es pas appelé, vraiment, laisse ça tranquille. Laisse cette affaire tranquille. Même si tu es déjà la Mila, même si tu as déjà fondé des églises, si au fond de toi, tu sens que ce n'est pas ça, tu forces, laisse. Prends ta retraite, mets tes enfants, tes fils, qui continuent. Il vaut mieux aller dans l'éternité, étant laïque, ou ministre retraité, que d'aller en enfer à la sortie de la chair. Mais si tu es appelé de Dieu et que tu sens que tu as la chose et que tu sais qu'elle est en toi, alors commence par la parole. C'est ce que Branham nous a dit. Si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. C'est-à-dire que votre fondement soit la parole. Et si votre fondement est la parole, si votre semence est la parole, votre moisson aussi sera la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Chacun parle à Dieu selon qu'il a reçu la parole de Dieu dans son cœur. Prions le Seigneur.